Juan, bonjour les amis, voilà pour vous 4 journaux, week-end, la Gazette des courses, Gynécourse et Paris Turf pour le quinté de lundi 23 septembre à la Capelle. Gloire du Perche est parfaite. Après un petit passage à vide cet été, Gloire du Perche a pleinement rassuré à Lyon. Et l'a depuis confirmé ses bonnes dispositions au travail. Elle est au top. Lundi 23 septembre 2024, La Capelle, Réunion 1, 4e course, prix de Laon. Attelée, course des 6 à 11 ans, 35 000 euros, 2750 mètres. Piste en sable, voilà la course du jour. Il y a 25 mètres de recul, du 1 au 5, 2750, du 6 au 13, 2775. Voilà leur dernière course, date hippodrome, catégorie, la distance, prix, attelée. Donc le 4, sa dernière course montée. Dernière place, le nombre de participants. Dernier code, dernier driver, dernière réduction kilométrique, dernier déferrage. Les jumelles du Quintet, Gypsy, Duchamon, le 12, dans son jardin. Voilà les repérés. Repéré le 25 mai à Enghien, le 11. Le 9, repéré le 23 juin à Vincennes. Le 5, repéré le 28 juillet à Carentan. Le 12 repéré le 13 juillet à Enghien. Le 10 repéré le 15 août à Vibraille. Fait du Verneuil le 8, ambition à la baisse. Le conseil de week-end 11, 8, 12, 2x, 5, 9, 10. En un clin d'œil, les années d'expérience 2023, 2022, le cheval robot. À savoir le point d'appui, stat favorable, du pour, du contre, bon favori 11-12, favori d'autre 13, en baisse 6-2-3, en hausse 19-8, stable 1-5, petite chance 7-4, meilleur couple, driver à suivre, la forme saisonnière, les déférés, déférés des 4, déférés des postérieurs. Les astres par le nom, 8, 2, As, par les chiffres 12, 3, 9, par l'écurie 10, 5, 11. Pourcentage d'adversaires battus, la conclusion 11, 13, 12, 4, 7, 5, 9, 6. Et Econ Madrick, le 11, arrive en tête à la conclusion. Le top Sid Mazo, les écarts, voilà le classement 11, 12, 1, 9, 8. 5, 10, 4, 2, 6, 7, 13, 3. L'étude de Matheux. Classement distance pondérée. Classement performance. Classement des numéros. Prono de Matheux. La forme des drivers. Le quinté par le chrono. Les meilleurs chronos sur le parcours, le 12, une 13, 4, le 10, une 13, 6, le 1, une 13, 7, 6, 4, 8, 2. Record absolu, record sur le parcours. Meilleur chrono réalisé au cours des 6 dernières semaines. Avant-première presse, voilà les pronostics des médias et écarts. Le flambeur ticket de base 11, 10, 12, 8, 9, As. Votre gain, première chance 11-12, seconde chance 19, outsider 8, 13, As, 5, 6, 3, abandonné 2, 4, 7. L'étude scientifique, le classement théorique, le pronostic scientifique. Le bon d'essai. Valeur, forme, réussite, aptitude. Les concurrents par les chiffres, l'étude de notre ordinateur. Statistiques établies sur toute la carrière,
statistiques établies dans la spécialité, classement des meilleurs pourcentages de réussite 4, 11, 9, 4, 12, 9, 6, 8, 5, 7. Voilà le détail des chevaux, le 1 dans les trois premiers, d'après son entraîneur, le 2 en fin de combinaison, le 3 sur la montante, Gold de Chimay, d'après l'avis de son entraîneur Alain Laurent, le 4 à revoir. Cotation week-end 336, réussite dans les quintés 0%, une participation sans succès. Le 5, engagement sur mesure. Le 6, une vraie rentrée d'après Bernard Piton, son entraîneur. Le 7, Gatsby Week, besoin de courir. D'après l'avis de son entraîneur, Benoît Blacher, le 8 fait du Vernail en fin de combinaison. Le 9 fait l'arrêt du Verger, peut terminer dans les 5. Le 10, gloire du Perche, des ambitions. Le 11, rachat en vue, d'après son entraîneur Jean-Michel Baudouin. Le 12, Gypsy de Charmant, une belle carte à jouer. Gauvaise contre Gauvaise, ils vont mettre tout le monde d'accord. Voilà le programme de week-end. Le 1, vent et chotte. Le 2, GC Python, déféré des 4, le 1 déféré des 4, le 3 garde ses fers à Laurent, le 4 garde ses fers F Guérino, le 5 garde ses fers D Amélini, le 6 déféré des 4 B Python, le 7 B Blaché garde ses fers, le 8 V Séguin plaqué aux antérieurs, le 9, Pédojard déféré des 4, le 10, F Ouvry déféré des postérieurs, le 11, Eric Raffin déféré des postérieurs, le 12, PY Verva plaqué aux antérieurs, le 13, attention, G Maillard déféré des 4. Voilà la sélection d'Alexandra Brevard, 11, 12, 10, 9, 8, 13, As, 6. Les pronos de la rédaction. Le classement 17 de week-end. Le pronos unique, 11 bases, le 10 tuyau, le 12 bases, le 8 coup de poker, 9, As, 5, 13. En cas de non partant, le 6, le regret, le 3, les meilleurs outsiders, le 2, pour toucher le gros lot, le 7, abandonné, le 4. Les chaleurs d'entraînement, le tuyau, le 10, gloire du perche. Le pronostic des pistes, 10, 11, As, 8, 9, 12. Multi-5, les bases, 11, 10, on leur associe le 12, le 8, le 9, le As, le 5, le 13, le 6, le 3 et le 2. Voilà le programme. Le 1, 12 contre 1, trouve un engagement intéressant en tête et encourage très confiant. Le 2, 44. Le 3, 50, longtemps absent. Le 4, 120 contre 1. Le 5, 28, très régulier et bien engagé. Le 6, 37, en forme ascendante et confirmé à la Capelle. Méfiance en cas de non partant. Le 7, 48, pas évident. Le 8, 15, retrouve une position bien plus à sa portée. Le 9, 10, contre 1, sait finir ses courses et va apprécier la ligne droite sélective.
Le 10, 7 contre 1, le tuyau. Le 11, première base, 2 contre 1. Le 12, 6 contre 1, deuxième base. Le 13, 25 contre 1, rachat. Retour en image de la course de référence, Gypsy de Chamon à domicile. Voilà le journal Ginicourse, notre consultant, la trouve avec des ambitions. Econmadric vise la gagne. Le dossier Quintet Plus, La Capelle, lundi 23 septembre, prix 80 ans de l'Est Nouvelle. Départ prévu à 13h55 en France, midi 55 au Maroc. Difficulté de la course 2 étoiles. La corde à gauche, ligne d'arrivée 400 mètres. Le parcours économisé des forces. La course de référence, Gypsy de Chamon, 3e. Le 12, les drivers s'expliquent, Philippe Dojard sur le 9 et Pierre-Yves Verva sur le 12. Le favori au banc d'essai, la Tactique Express. Le ticket type 11, 12, 1, 5, 7, la turfoscopie des partants. Le passé de la course, Info Express, ça marche. Engagement bizarrerie du jamais vu, 0% de réussite dans les quintés pour Goopy's Boy. Opis Boy, Opis Boy, le 2. Les meilleurs chronos sur le parcours, le 12, une 13, 4, le 10, le 1. Forme et écart au trot. Des numéros, des drivers, les records. Records sur ce parcours. Record général. Donc les records. Record sur ce parcours, record général. Voilà le détail des chevaux. Le 1 dans les trois premiers, le 2 en fin de combinaison, le 3 sur la montante, le 4 à revoir. La sélection de Stéphane Été, Econmadric, l'épouvantail, le 11. Mon pronostic 11, 12, 9, 8, 10, 13, 1, 2. Le 5, engagement sur mesure. Le 6, une vraie rentrée. Le 7, besoin de courir. Le plus des experts, le panier de Gigny, avantage aux 25 mètres. Base 12, 11, 10, 13. Première chance, 5, As, 9, 8. Seconde chance 6-3-2, gros outsider 4-7. La dernière minute le 13, le coup de folie le 1. Le classement logique, Econmadric descend de catégorie le 11. Forme et écart de trot. Des numéros, des entraîneurs, des drivers. L'opinion de Barbara Essien, Madame Schiffer, Econmadric, la base le 11. Le ticket du patron Econmadric est une priorité. Les statistiques sur les pistes, les performances, le coin de multiflambeur audacieux prudent. La conclusion de l'ensemble de la rédaction, base 11, 12, 13, tuyau 10 à 5, outsider 9, 8, en cas de non-partant le 3. L'avis du consultant Eric Raffin, Econmadric peut gagner. Voilà son choix. 11, 12, 13, 10, As, 9, 5, 8. Voilà mes amis, on va agrandir cette partie pour pouvoir la lire. Donc le 1, 13 contre 1. Le 2, 26. Le 3, 25. Le 4, 49. Le 5, 15. Le 6, 31. Le 7, 45. Le 8, 14. Le 9, 11. Le 10, 5. Le 11, 3. Le 12, 4, le 13, 9. On continue.
J'ai décidé, mes amis, de vous publier toujours les journaux le matin. Le 8 en fin de combinaison, le 9 peut terminer dans les 5, le 10 des ambitions, le 11 rachat en vue. Le 12, une belle carte à jouer. Le 13, en fin de combinaison. Que dit la presse, les 13 médias, le championnat de France des pronostiqueurs, voilà les pronostics. Synthèse de la presse la plus suivie en France. Favori 11, 12, 10, 9, As, 8, 13, 5. Outsider 6, 3, abandonné 2, 4, 7. Les meilleurs pronostiqueurs au trot, quinté plus 10 jours. Les 8 derniers résultats des favoris de la presse trot. Voilà leur classement. Le premier le 11, le deuxième le 12, le troisième le 10, etc. C'est une page importante. Les 5 derniers quintés dans la spécialité. Essayez d'agrandir ces formats PDF. Vous pouvez lire facilement ces trucs-là. On continue avec le journal Paris Turf. Sans feu ni flamme. Voilà la Capelle, la première course. La deuxième course. Ceux qui jouent course par course. La troisième course. La quatrième course. Voilà notre quintet. On va agrandir pour pouvoir lire ce truc-là. Pour les gens qui s'intéressent à la ligne, la voilà. Notre choix, 11, 10, 12, 9, As, 5, 8, 13, chance 6, 2, outsider 3, gros outsider 4, 7. Voilà les propriétaires. Les entraîneurs. Voilà. Pour pouvoir lire un peu. Voilà. Les propriétaires, les entraîneurs, les chevaux, déferrage. Le 3, le 4, le 5, le 7, garde les fers. Non déferré. Voilà. Les performances. Le 4, il fait le monter. Donc on continue, mes amis. Voilà la cinquième course. Voilà la sixième, ceux qui jouent course par course. Voilà la septième. La huitième. Statistique. Tandem, jockey, entraîneur. Le classement théorique. Entraîneur trop.
La quatrième course, 11, 12, 10, 13, 9, 8. Rapport probable. La quatrième, le 11 Madrid, 2,3. Le 12, 6, le 10, 7, le 9, 10, le 1, 15, le 5, 16. Passer des courses. Voilà. La quatrième course parie sur la donnée 11-10, 11-10, 11-10, 11-10, 11-10, 11-9, 11-12, etc. Alors, je voulais plus donner en premier. Le 11, 14 fois. Le 13, une fois. Pour battre notre favori, le 12, Gypsy de Chamon. Le 11, 14 fois. Le 12, 8 fois. Le 10, 6 fois. Le 9 et le 13, une seule fois. Voilà, sélection concours. Sélection désélection. Lundi à la Capelle. N'ayant écart zéro. Voilà les médias, les points, les cartes. Meilleure chance. Indice de forme 6-12. Coefficient de réussite 1-12. Forme récente 5 As. Aptitude au parcours 12-2. Meilleure performance 11-10. D'après les origines 11-7. Les meilleurs engagés 13-5. La conclusion 12-11. Indice de forme, coefficient de réussite. Ceux qui jouent course par course. J'essaie de capturer toute la page. Information du jour, réussite et écart des numéros PMU, emoji, la quatrième course, le 1, le 11 en vert, les autres en jaune, le 4 en rouge, donc délaissez le 4. Voilà la deuxième course, ceux qui jouent course par course, donc il faut... Réunion Crown, la deuxième course. La troisième course, arrêtez la vidéo et screenez pour pouvoir jouer tranquillement. La quatrième course. La cinquième course, ceux qui jouent course par course, la sixième course, la septième, la huitième course. Voilà. Sélection concours. Ça concerne Réunion 2. Les meilleures chances pour Réunion 2 à Crown. Voilà. Les statistiques tandem jockey entraîneur. Vous aurez tout le journal, classement théorique, Réunion 2. Attention, Réunion 2, mes amis, c'est pas la Capelle.
Crown, réunion 2, pour ne pas se tromper. C'est l'occasion de profiter du journal, ceux qui jouent course par course. Voilà le cahier quinté, lundi à la Capelle, quatrième course, départ 13h55, la course assez difficile niveau. Attention mes amis, 13 partants, mais il est difficile. Il peut payer. Voilà. Notre pronostic par Pruneau Jolivet, nos préférés, 11, 10, 12, 9, 1, 5, 8, 13, chance régulière, 6, 2, outsider, le 3, gros outsider, 4, 7. Voilà le détail, 1, 2, 3, 4. Le 1 dans les 3 premiers, le 2 en fin de combinaison, le 3 sur la montante, le 4 à revoir. Comment lire nos performances? Voilà, le 5, le 6. Engagement sur mesure pour le 5. Le 6, une vraie rentrée. For Livigno. Voilà, le 7 besoin de courir, le 8 en fin de combinaison, le 9 peut terminer dans les 5, le 10 des ambitions, le 11 rachat en vue. Le 12, Gypsy Chamon, une belle carte à jouer. Le 13, en fin de combinaison. Repérer pour vous, repérer dans les jumelles le 10, la spécialiste le 12, la découverte le 1, dans le creux de l'oreille, l'outsider séduisant le 8, voilà la sélection confidentielle de piste, le best of athlée. La course de référence. Entraîneur hippodrome. Réussite des ferrages à l'attelé. Econ Madrid, 24 tentatives, 7 victoires, 9 places, 67%. Le classement par les points. Le chrono vérité. Expérience sur le parcours, statistiques et écart trot, coefficient de réussite.
L'indice de forme, le 4 n'a pas couru récemment. Écart statistique des entraîneurs et des drivers. Les derniers arrivés dans la spécialité. Championnat de France des pronostiqueurs de trot. Voilà les pronostics des médias et des presses. Le nombre de fois cité. Le passé de la course 2023. Les plus cités, le 4 abandonné, les favoris de médias, nombre de fois cités. Voilà, on continue. Réunion 3, Tabrès, voilà mes amis. Voilà, course par course. Ceux qui jouent course par course, la deuxième, la sixième. La troisième et la septième, il est recommandé par les amis. Voilà tout le journal Paris-Turf. Voilà. Voilà la huitième course, la neuvième. Nous reste le journal. La Gazette des courses, la Réunion 4 à Vichy, voilà. Réunion 4, mes amis. Ceux qui jouent course par course, voilà les références. La troisième, la septième. La quatrième, la huitième. Voilà, le journal La Gazette des courses. Trois chevaux à jouer lundi. En 2 sur 4 en couplet. Base le 12. Outsider le 1. Trouble fait le 8. Ils ont oublié le 11. Une base rigide le 11. L'épouvantail. Voilà, Gypsy de Chamon le 12 à le niveau. Le 11, il va gagner le 11. C'est mon préféré. L'analyse des pronos par Jessica Carter. Un quintet tout trouvé. La conclusion du prono d'or, les favoris de la presse. Ces chevaux mettront du piment, personne n'en veut pourtant. Le coup sûr. La forme saisonnière. Écart driver, le classement de la presse. L'outsider, le 1, notre coup de cœur, le 9. Stat Gazette 11 12 9 6. Le grand écart. Gatsby 8 le 7. Hollywood Knights. Hollywood Knights. Hollywood Knights. Le 5. Le grand écart, le 5 et le 7, mes amis. La première cité régulière est placée. Donc, le grand écart, le 5 et le 7. La leçon du passé, les records. L'analyse des partants en un clin d'œil. L'analyse de perf. L'analyse de perf, forme, parcours, confiance, combativité. La logique, le 12. L'introuvable, le 5. L'outsider, le 1. Repérer le résultat de l'analyse 12, 11, 9, 8, 10, 13, à 5. Repérer sur les pistes le 5 et le 8. En direct des pistes, les entraîneurs les plus confiants. Voilà leur pronostic 12, 11, 10, 1, 13, 9, 8, 5. Neuf champs réduits, nous avons sélectionné le 12. Comme base, en quintet, nous avons sélectionné 4 chevaux, le 12, le 11, le 9, le 8. Voilà le programme.
Les pronos de José Gouvez, du John Villa, et ceux du Frédéric Schramm. Voilà les pronostics de Frédéric Schramm. La conclusion de favori. Notre coup de cœur, le 9, a des moyens. Le favori de favori, le 8 sur la piste. Info gagnante. Voilà. Le 11, Icon Madrick. Cette fille de Royal Dream vient d'échouer dans un groupe 3 à Vincennes après avoir été disqualifiée dans l'étape du groupe national trot de Saint-Malo. Le classement logique, favori, bonne chance, outsider. Délaissé, notre éliminé, le 4. Les formes des chevaux, les graphiques en vert représentent les chevaux en forme, le 1, le 5, le 6, le 10. La synthèse de la gazette des courses, Gypsy, le chameau en tête, le 12. Voilà le résumé. Bonne chance, mes amis, à la prochaine vidéo.